Bonjour à tous, on se retrouve pour la sixième partie du Let's Play de Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Bon allez, on y va, on va reprendre notre niveau des cimes d'arbres. Je vais essayer de plus trop faire le boulet, on va essayer de le finir en vitesse. Parce que je commence à en avoir un peu marre de le voir. Hop. Alors attention ici, bon là le tonneau on s'en fout. Toi crève. Et on y retourne. Alors attention ici. Et voilà, merci. Bon allez, on va retenter le passage secret une dernière fois, puisque j'ai toujours pas ma lettre. Et ça commence à m'embêter léger. Non mais ça c'est moi, hein. Ah, voilà. Eh, j'ai même rechopé le tonneau en route. Et encore, hein. Allez, maintenant c'est la fête au village. Allez, mais ça peut pas durer longtemps. Hein. Allez, on continue. Non mais c'est une blague là, j'espère. Non mais tu te fous de ma tronche? Non mais on n'est pas sorti de l'auberge hein, si ça s'y met comme ça. Demain on y est encore. Hein. Toi dégage. Putain mais j'ai vraiment de la chance avec ce tonneau là. Bon maintenant le passage secret on a pu à le faire. Hein. On s'en branle comme on dit. Ouais, c'est un petit peu vulgaire. Hein. Alors attention ici. Nickel. Hop, j'en aurais au moins eu un de Kremlin. Oh ouais, joli là. Ah bah voilà. Là on est revenu à l'endroit où je m'étais planté lamentablement. Donc on va essayer de faire gaffe. Wow, c'est pas passé loin. Alors attention, Oniki. Putain, j'ai même pas eu la... Est-ce que je peux réussir? Je dois pouvoir réussir à la prendre. Voilà. Bon là l'autruche, je vais pas faire la bêtise d'aller la chercher. Et voilà, on en a enfin fini avec ce fichu niveau. Et là vous voyez, je vais vous montrer un petit peu l'utilité des vols de Funky. Je prends. On s'en fout de ce qu'il dit, c'est pas important. Là je redescends au monde 2. Allez, j'ai ma manette qui déconne un petit peu. Et on retourne faire une sauvegarde. Ça au moins c'est pratique pour ça. Voilà. Et maintenant si je veux retourner dans mon monde 3, eh ben, je vais rechercher les vols de Funky et on y retourne. Allez, on va maintenant prendre le niveau suivant, la folie forestière, et c'est parti. Alors j'ai essayé de faire un petit peu. Eh, il me semblait bien qu'il y avait. Mais ressaute toi. Hop, au revoir, merci. Voilà, maintenant après s'être amusé avec des tonneaux, on va faire joujou avec des cordes. Hop. Oh putain, je l'ai eu, j'ai de la chance. Dégage. Alors là, la lettre, désolé, mais là, j'ai aucune solution pour la choper. Hein. À moins que je fasse comme ça. Ouais, laisse tomber. Mais c'est du suicide, je te dis. Ouais, laisse tomber, c'est complètement suicidaire de réussir à la récupérer. Tant pis, on fera sans. Alors attention à l'abeille ici. Oh! On va se mettre là en attendant qu'il... Parce qu'il me semble qu'il y a peut-être un... Mais si... Tu vas le prendre ce tonneau, oui? Ah non, il n'y a pas de passage secret. Ah bah je suis niqué. Ah. Là le Kremlin, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, hein, mais il s'est mangé le mur. Alors là, attention, la corde avance toute seule et il faut aller de haut en bas pour éviter les abeilles. Oh là, là je suis... Oh putain, je suis bon. Ah remarque, en contrôlant Didi sur les cordes, c'est pas mal parce que Didi c'est celui qui va le plus vite. Hop, toi crève. Oh, ah, mais merde, je me suis fait avoir. Là en fait c'est pareil que tout à l'heure, sauf que comme les abeilles jaunes, elles bougent. Tandis que les oranges, elles étaient immobiles. Bon, on va essayer de résister. De ne pas perdre... De ne pas se refaire toucher.
Hop. Oh là là, elle tourne en rond, c'est un peu plus vicieux. Oh là là. Ah, j'ai récupéré Didi, génial, merci. Oh là. Là, c'est un peu chaud quand même. Alors là. D'accord. J'ai lamentablement raté la vie. Alors là, attention, on est qui? Ça va être bien chaud. Surtout qu'ils vont pas tous à la même vitesse. Putain, la corde elle s'arrête, ne me dites pas que j'étais à la fin. Oh non, s'il vous plaît, c'est dégoûtant ça. Enfin, c'est... Ouais, dégoûtant. Quand on dit qu'on est dégoûté, en général c'est que c'est dégoûtant. Mais bon, je trouve que ça le fait pas pour parler d'un jeu. Oh là, attention, je vais pas me faire voir deux fois ici. Hop. Voilà, c'est nickel. Toi crève, merci. Oui, oui. Oui, oui, je dis aux ennemis, je les remercie de crever. Alors normalement ici c'est bon. Non mais genre, tout à l'heure je suis passé avec Donkey, je me suis pas fait toucher, avec Didi je me fais toucher. Non mais si ce jeu il est pas ultra vicieux quand il s'y met. Ah non mais désolé, là c'est flagrant quoi. J'ai eu la vie mais je me suis fait toucher. Et je suis encore dans la merde. Oh putain. Oh ouais, et j'étais bien à la fin. Putain. Bon par contre là, il me semble... Non ? On se doit être au-dessus. Il y a certains niveaux où j'ai oublié les emplacements des passages secrets, mais grave quoi. Voilà. Et là, on voit que la sortie, elle est plus très loin. Et voilà, on a fini. Niveau suivant. La tempête du temple. Allez, c'est parti. Alors là, on se retrouve dans un décor que vous connaissez. Hein. Normalement, il y a peut-être un passage secret là aussi, mais je dois... Voilà, il me faut un ennemi pour monter. Voilà. Ah, non, c'est pas un passage secret, mais... c'est tout comme. Hop. Ah ouais, joli. Toi, crève. Alors attention là, vous vous souvenez de ces trucs là qui s'amusaient à voyager dans le moulin Maboule? Et bien là vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil, ces trucs vont nous courir après. Qu'est-ce que c'est ça? Non mais attends, c'est quoi ce bug de fou là? Là vous avez vu comme moi là. Non mais là c'est évident. C'était quoi ce putain de bug? Mais n'importe quoi hein. Bon, j'espère que ça ne va pas bugger. Non, ça bug pas cette fois. Donc maintenant, il faut se grouiller. Voilà, ici, c'est bon. Ah d'accord, il arrive même pas. Allez, on continue. On chope les cordes au passage. Voilà. Bon. Je vais récupérer le de Didi que le jeu m'a lâchement volé. Toi crève. Alors là, c'est un peu pareil sauf que cette fois-ci il va monter. Normalement, voilà, tant que je suis sur la corde, c'est bon. Tant qu'on est sur la corde raide. Attention aux abeilles. Ah, ici, il y a une indication d'un passage secret. Il y a certains passages secrets qui sont indiqués, d'autres non. On là, on retrouve le fameux crocodile qui nous envoie des régimes de bananes, sauf qu'il n'y en a qu'un. Et c'est la même chose, hein. Il suffit de lui sauter dessus plusieurs fois et de pas se faire toucher jusqu'à ce qu'il donne un bonus. On va essayer de faire ça bien. Comme ça, ça sera ma petite revanche sur ce jeu qui a méchamment bugué. Oh lolo ! Là, vous voyez qu'il se déplace vite maintenant. J'ai une idée, j'essaie de rester dans le coin. Oh ! Encore ? Ah ça y est. Ouh. Enfin bon, là on a réglé la dernière fois que c'était ça, c'était une vie. Là il m'a donné un petit rhinocéros doré. Allez on continue. Ici on récupère quelque chose. Voilà, merci. Oh ouais, joli. Joli l'enchaînement. Voilà. Allez, on y va. Encore une phase de poursuite, c'est parti.
on s'en fout du régime de banane, je prends pas le temps. Par contre ici, oh là là, là j'ai fait du joli encore. Allez, encore une pour la route. Oh putain. Mais merde. Oh, autant pis, hein, je laisse le truc passer. Ouais. Sauf que là je suis coincé. Je suis coincé. À moins que... Oh putain. Oh putain, j'ai failli me faire avoir. Y'a quelque chose en bas? Ok. Sur le coup, je me demandais s'il y aurait le tonneau. Allez, on a fini. Voilà. Et on se refait la sauvegarde de Candy encore. Je vous aide à sauvegarder? Allez, 29%. Bon, allez, c'est quoi le niveau suivant? Le gang orang-outan. Ah oui, je connais ce niveau. Non, j'aurai pas le temps de le faire pour cette partie. Je vais m'arrêter ici. Vous verrez, c'est un petit peu... C'est des orang-outans, hein, comme... Enfin, comme son nom presque l'indique. Hein, l'indique presque. Je m'embrouille un petit peu en parlant. Ça doit être pas très français ce que j'ai dit. Hein. Qui nous amuse... Enfin bref. Des orang-outans qui s'amusent à nous balancer des tonneaux dans la gueule. Hein. Et je sais que c'est assez long comme niveau. Hein, donc, je vais pas prendre le temps de le faire dans cette partie-ci. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom?